Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 2 sur Little Nightmare, donc ce petit jeu d'horreur qui m'a déjà fait perdre ma vie. Et on va tout simplement le continuer. Voilà, j'ai déjà la trouille. D'ailleurs j'aimerais bien que vous me dites si vous y avez joué, ou ce genre de choses. C'est toujours intéressant. Il faut que j'aille là. Dans les jeux, quand je sais pas où je dois aller, mais ça me perturbe parce que je me dis si le chemin passait par là, j'aurais raté quelque chose. Mais si c'est pas par là, pourquoi je peux pas regarder? Il y a pas l'air d'avoir grand chose à part une armoire. Mais je vais retenir parce qu'on sait jamais s'il faut se cacher. Espèce de tendin que j'ai mis en mode je veux pas y aller. Ah, j'aime pas quand je peux pas voir de l'autre côté avant d'entrer. Je suis sûre et certaine qu'il va y avoir un monstre. Ah non. Au cas où, je vais essayer de voir si genre il y a des endroits où je peux m'échapper. On ne sait jamais. What? Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a une clé là, j'avais pas vu. Alors j'ai vu qu'il y avait un levier. Il y a une clé. Bah, activons la manette. Je crois qu'il faut la valise. J'arrive pas à savoir si la manette c'est pour on dirait qu'il y a un lit genre qui s'ouvre ou qui se ferme. Ou si il y a un truc qui s'ouvre à côté. J'ai l'impression que c'est une porte, là où il y a le cadre avec l'œil chelou. Ok. Il est petit le lit, je trouve. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Je ne sais pas du tout à quoi il sert, s'il te plaît. Hein. Ok, donc la clé c'est pour là. Bon, je l'ai lancé tout à l'heure, mais je sais pas comment j'ai fait. Mais déjà pourquoi? Cette espèce de truc.
En vrai, ça serait trop dans la vraie vie. J'ouvre la porte, je vois le nouveau supporter, je fais. Au revoir. Bon, allez, on arrête d'être une peureuse, ça suffit maintenant. Voilà. Bon, entre ce que je dis et ce que je fais, il y a généralement une grande différence. Ça, c'était de l'instinct. J'ai fait ça complètement au pif. Sur ce, je vais aller me cacher genre là-dedans. Parce que ça me semble plutôt bien. Voilà. Je ne veux plus bouger. Est-ce qu'il faut que je récupère un petit singe? Et maintenant, je vais me cacher. Je suis cachée, je ne sortirai jamais. Je suis obligée. Pour l'instant, quand même, c'est. Pourquoi au moment où j'allais dire, pour l'instant, c'est assez soft. Il faut qu'il se passe une merde. Ah oui, mais hein, moi je pompe pas de la bouffe. Plein de trous dans mon écran, j'ai cru que c'était un méchant. Genre un ennemi quoi. Un truc. Est-ce qu'il faut que je bouffe un rat? Ça serait bizarre quand même. Eh mais. Ouais, je suis triste pour ce petit truc. Non. Déjà, c'est quoi cette putain de musique? Et de deux, vous êtes complètement con pour bouffer un bout de viande dans un piège à rats. Je crois qu'on n'a pas le choix, je crois que c'est l'histoire, donc allons-y. C'est dégueulasse. C'est l'espèce de momie là. D'accord. Je vais laisser des maras. Alors il garde des bébés, le truc, mais il enlève les enfants. C'est horrible. Mais c'est pas l'histoire, mais c'est horrible. Ok, c'est plutôt violent. Et c'est absolument pas discret, hein, au passage. Je tiens à le dire. Est-ce qu'il faut que je sauve les autres enfants? Je peux peut-être sauver lui? Ah, je me sers de sa cage. Genre, je suis très gentille comme personne. Mais en fait, je trouve ça genre... méga bizarre comme... comme truc. Parce que bon, ok, on a un petit enfant qui a peur, je crois, c'est le cauchemar de du gosse, hein, si j'ai bien compris. Mais, allez. Mais, genre, ok, il s'en fout des autres gamins. Complètement. Je pense que si je peux me balancer, c'est pas pour rien. Donc on va essayer de se balancer au maximum. Pour passer la porte. C'est juste ce que je fais. Ou j'ai eu peur de me faire couper en deux. Ah. Ok. Ah.
Non mais monte juste pour que tu te décales. Tu n'es pas du tout discret, mon petit. Ah non, je crois qu'on va arriver dans des passages où il y a la piscine. La cuisine. Oh. Ah mama! Ah mama! Fuck! Je suis pas prête à voir ce qui va se passer. C'est horrible. Oh putain. C'est bon. Ok. Je sais pas si on a du temps pour faire les opérations ou quoi. Ok. 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 Bien. Il n'est plus là. Et ça m'étonnerait qu'il rentre là-dedans quand même. Enfin, j'espère. C'est Glock à souhait. Est-ce qu'il y a un truc dans les chaussures qui risque de me tuer? Ok. Donc la réponse est oui. Mais c'est trop loin. Ok. C'est bon. C'était relou, hein. Il m'aura fallu environ 4 secondes et demie pour me faire attraper. Je sais pas où je dois aller.
Oh my god, c'est angoissant. Je crois qu'il est parti. Ok. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. Oh merde, qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu. C'est horrible. Mais pourquoi? Je comprends pas l'histoire. C'est même vachement plus que bizarre. Chatrouille. Je pense qu'il faut que j'attende qu'il revienne dans l'autre pièce pour pouvoir aller sur le meuble. Ah! J'ai paniqué. J'ai paniqué. Ouh là là, trop d'émotions. Discrétion. Ok, tout va bien. Oh my god. Très bien. Je suis obligée de dire ça pour me rassurer.
Ok. Discrétion, encore une fois. On peut pas lui couper les bras. Trouver la manivelle. Sauf que j'ai pas envie d'aller là-bas. Mais alors pas du tout envie. Je me rendais pas compte du courage dont je fais preuve actuellement. Il y a plusieurs objets pour faire du bruit. Ok. Ouf. Je ne respire plus, je ne fais plus rien. C'est un truc de fou. Allez! Je suis désolée. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ok. C'est bon.
Ou pas. Ça bouge ce truc. Ah oui, ça bouge, mais faut le mettre avant nous. Good. Dites-moi que je reprends là. Oui. J'ai un peu de mal à comprendre le système de sauvegarde du jeu. Parce que... En fait... Là, il enregistre à tous les moments plus ou moins critiques, on va dire. Mais quand on sort du jeu, genre parfois... je meurs, je recommence là, mais je vais sortir du jeu. Je vais reprendre le jeu, ben... Il sera plus loin que là. Du coup, je sais pas, c'est bizarre. Bon, j'espère qu'on a semé ce putain de monstre, hein, parce que j'en ai trop marre. Je dis que j'en ai trop marre, mais il doit rester environ... beaucoup d'heures de jeu. Et donc, beaucoup de monstres. Joie. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Boule du jeu. J'espère qu'on arrive à la fin. Parce que j'aimerais finir cet épisode. Déjà parce que ma santé mentale est actuellement en jeu. En plus parce que ça devient long. Je suis sûre que je peux passer là. Ah ok. Il va sortir ses mains quand même. Un moment. Je crois que je pouvais passer en dessous quand même. Ok. Ok, ok, ok. Tout bien. Ah non. Je panique, c'est des trucs de fou. Je suis obligée de mettre sur pause pour genre décompresser parce que sinon c'est la mort. Ah merde. Ok, donc ce n'était pas la solution. Je reprends là. Donc ça veut dire qu'il y a un truc ici. Putain. Eh les gars, je peux? Je réfléchis là. Bon, il doit y avoir un truc avec cette cage et ses bras. Putain, ah, ça va être relou, ça va être relou, je le sens bien. Je le sens méga bien. Ok ouais, donc il y a bien un truc avec la cage, et en fait faut genre juste essayer d'éviter les bras. Merde. J'ai carrément foncé dessus, c'est genre en mode hey, c'est la fête, j'en ai marre, je me suicide. Ok. C'est dégueulasse, genre on lui a coupé les bras, c'est vrai, il continue à bouger. Maï, c'est dégueulasse. C'est horrible. Ce jeu est horrible. En fait, il est glock et oh mon dieu, on a fini. Enfin, on a fini. On a fini ce passage parce que... Bon, bien du coup, on va s'arrêter là. Voilà. Plus on avance dans le jeu, plus je suis en train de perdre ma santé mentale.
Et du coup, je vous dis à très vite pour la suite de Little Nightmare. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez du jeu. Et à vous abonner pour voir la suite, si ce n'est pas déjà le cas. À très vite.